La construction de Groupama Mac4 se présente plutôt pas mal. On est dans le planning qu'on avait établi au départ. Pour l'instant, on est en train de structurer la coque et en même temps de structurer le pont, de bien avancer sur tout ce qui est accastillage, tout ce qui est fitting de pont. Actuellement, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur le bateau. Moi, j'attaquais depuis la semaine avant Noël tout ce qui était plan de pont, donc faire tous les trous pour poser tout l'accastillage sur le bateau, mettre en place les colonnes et toutes les boîtes de renvoi pour les winches. Ensuite, va y avoir tout l'aménagement intérieur, le montage de l'hydraulique, le montage de la mécanique, les moteurs. Après, c'est le plus dur du travail arrive, quoi. Là, on assemble des grosses pièces. Après, c'est dans le détail et toutes les petites pièces à remonter, quoi. Par rapport à un multicoque, c'est exactement la même chose, quoi. On applique des règles de mécanique et on suit un plan. Donc, on reporte des cotes, on reporte... Tout ce qui est marqué sur le plan, donc il n'y a aucune différence. C'est un monocoque, c'est moins gros qu'un trimaran, mais bon, il y a beaucoup de structures qui sont assez complexes. Les bateaux sont de plus en plus sollicités parce qu'ils vont de plus en plus vite, donc les structures évoluent et sont de plus en plus compliquées. Oui, c'est pas si simple que ça. J'ai navigué pas mal sur Groupama 70 tout l'hiver dernier et puis un peu là encore à Lanzarote. Bah, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que c'est des bateaux qui mouillent énormément, plus qu'un multicoque. Donc il faut que tous les montages soient ajustés et étanches parce qu'il y a pas mal de vie à bord à l'intérieur du bateau. Donc les gens n'aiment pas trop avoir des gouttes d'eau qui leur tombent sur la tête quand ils dorment. Donc ça, il faut qu'on soit vraiment vigilant là-dessus. Et puis ensuite, il y a pas mal d'efforts quand même sur le bateau. Donc il faut que ce soit du matériel fiable. Donc voilà, quoi.